Bonjour et bienvenue sur le podcast de la Bourse. C'est Laurent. Épisode 8, déjà, comme d'habitude, en compagnie de l'ami Tino. Tino, c'est un Salut peu l'homme Lolo. qui murmurait à l'oreille des chartes. On y reviendra un peu Lolo. plus Bon, tard, bonsoir, mais bonsoir tout le voilà. monde. Ouais, on est très content que tu sois là, Tino, toute la communauté. Qui grandit d'ailleurs de plus en plus. On est quasiment presque à 1100. On a pris presque 10% de plus de membres. Ouais. Donc ça montre que Tesla, quelque Tesla. part, les gens doivent être assez contents de ce qu'on livre pour l'instant, parce que on a une belle croissance et on est content. On est des investisseurs qui aiment la croissance. Et ça, c'est la même chose pour le groupe. On est super content, on a une super communauté, on a des articles de qualité sur le groupe Facebook. On a des super commentaires sur YouTube aussi. On a de plus en plus de gens aussi qui s'abonnent à YouTube. D'ailleurs, n'oubliez pas, hein, ici YouTube, vous abonnez, et ici Facebook, si vous n'êtes pas sur le groupe, ou vice-versa. Voilà. On est rémunéré Ça, comme c'était ça, pour nous. le... On est rémunéré par les likes. On a des likes, on est content, ça nous suffit. Exactement. Hein, là, ouais, exactement. Et des On est abonnements. rémunéré comme ça. Et des abonnements, il n'y a que comme ça que vous pouvez vraiment nous remercier, et ça nous aide vachement. Voilà. Comme d'habitude, je tenais à le préciser encore une fois, ce qu'on fait, c'est en aucun cas du conseil en investissement. On présente des sociétés, on donne notre avis sur elles, mais c'est en aucun cas une invitation à vendre, à acheter, à shorter les dites sociétés. Voilà, que les choses soient claires. Je crois qu'on a fait le tour des généralités. Cette semaine, alors, comme d'habitude, on va faire une petite analyse sur les marchés. Le CAC 40, en l'occurrence, on va vous parler de Worldline, on va vous parler de Orange, de Klépierre. Ce sera pour les entreprises françaises. On passera à Siemens. On a aussi PepsiCo. On parlera un petit peu de l'or aussi, du Bitcoin, et on finira un peu pour la mode, parce qu'il y a la keynote. On parlera deux mots sur Apple. Voilà. Et Je laisse d'ailleurs, la parole à Tino. ben ils Oui? ont, bon, c'est les valeurs comme d'habitude, hein, que Mathieu soumet à un vote de mémoire le lundi ou le dimanche, et ce vote est arrêté le mercredi pour nous laisser 2, 3 jours pour pouvoir le soir, en rentrant du boulot, bosser sur ces valeurs-là et Voilà. essayer, à la mesure de possible, de donner quelque chose de qualitatif. Voilà. Exactement. J'avais aussi prévu d'en parler avant les valeurs, mais effectivement, c'est super important, s'il vous plaît. On essaie d'impliquer la communauté. Ça a bien marché. La dernière fois, vous avez beaucoup participé, justement. C'était super bien. Mathieu vous refera un petit topo là-dessus lundi prochain, justement. Donc, n'hésitez pas à voter. Donnez-nous votre avis sur les sociétés que vous voulez qu'on analyse. Voilà. Bon, Tino, c'est à toi. On va parler du marché et du Ouais. CAC. Le CAC, qu'est-ce qu'il nous a fait cette semaine? On est toujours dans l'entonnoir qu'on subit depuis des années, j'ai Ouais. envie de dire. Ouais. J'exagère, mais voilà. Alors, quand je peux, j'essaie de revoir la veille ou l'avant-veille, le soir, l'émission de la semaine d'avant, pour essayer Ouais. de voir ce qu'on avait dit, parce que moi, personnellement, ça me permet aussi de m'améliorer, de comprendre là où j'ai fait pas des erreurs, mais là où j'ai pas eu raison et là où j'ai bien senti le truc. Bon, la semaine dernière, j'avais indiqué que, tu te souviens, pour remettre tout dans le contexte, qu'on avait eu une très très belle semaine, Ouais. très haussière. Il y avait eu beaucoup d'euphorie sur le marché. Et moi, je t'avais indiqué un peu à contre-courant que ben, j'étais pas si euphorique que ça. J'avais des Ouais, doutes absolument. Ouais. à l'approche de ce gap baissier du 21 septembre. Je vais zoomer un petit peu. Tu vois bien, hein, Lolo, il n'y a pas de souci? Ouais, absolument. Ouais, on voit très bien, on voit très bien. Voilà, j'avais des doutes. Donc, on était là et on arrivait en haut sur le haut de ce gap baissier. Et j'avais indiqué Oui. des doutes. Et en effet, on a eu hier une sale séance. Ouais, ce que j'allais dire hier, ça a été DAC. sur tous les marchés d'ailleurs, hein. De Sur mémoire, tous le les DAX a marchés. fini aussi à presque moins 2%, je crois. Ouais, 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 Arrivé ouais. depuis C'était un certain temps quand même, hein. un peu chaud. Donc voilà. Donc
Je suis toujours finalement dans la même analyse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon, le CAC s'est repris, on est sur un CAC Ouais. très technique, toujours très, 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 très technique pour les traders intraday avec Ouais. des zones très importantes. Là, tu vois, cet ancien triangle, on s'aperçoit que Oui. ça fait toujours support. D'ailleurs, là, on s'est appuyé dessus. Là, on est Ouais. compressé entre la moyenne mobile à 100 jours, qu'on n'arrive pas encore à dépasser, franchement, et le gap baissier. Donc, bref, tout ça pour dire que dans cette zone, jusque, allez, on va dire jusqu'au dernier plus bas qui est à peu près ici. Donc dans cette zone, je suis neutre, toujours neutre, comme la semaine Ouais. passée. Dans cette zone ici, en dessous de 4800 jusqu'à 4700, je serai négatif. Et en dessous de 4500, je serai, de 4700, pardon, je serai prêt à vendre le CAC 40. En revanche, si la semaine passée, la belle bougie du jour est confirmée et qu'on Ouais. arrive à dépasser ce gap baissier, même si ça va être extrêmement difficile, car nous avons également, au-delà de ce gap baissier, nous avons également cette moyenne mobile à 200 jours qui arrive. Et on sait que Ouais. c'est une zone très importante où ben, il y a des zones d'acheteurs et de vendeurs. Ouais, Donc, ouais, ouais, ouais. si la semaine prochaine, c'est l'objectif, on arrive à passer ce gap et on arrive à passer cette moyenne mobile à 200 jours, en Ouais. effet, on pourrait avoir un billet un petit peu plus positif pour les semaines à venir. OK. C'est un scénario qui est tout à fait possible. Pour autant, de toute manière, on est dans cette immense, toujours pareil, hein, dans cet immense range entre Ouais. 700 points et 5200 points. Plus le range sera Oui. long, plus la sortie sera puissante. D'accord. OK. Très bien. Merci, Tino, pour cette analyse. De rien. Tino, on passe à quelle valeur maintenant? Comme tu veux. Bon, on passe à Worldline? Worldline. Allez, Allez, c'est ouais, parti. vas-y. Worldline. Deux mots sur Worldline. Alors, il s'agit d'une société française de services de paiement, un effectif de 10 600 salariés pour une capitalisation de 10,6 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires, lui, est de 2,3 milliards d'euros en 2019. La société, oui, pardon, pour en venir au bénéfice par action, j'aime bien regarder, comme beaucoup de gens, hein, évidemment, de fondamentalistes, entre guillemets, entre moins 40%, donc négatif, en 2020, et plus 130% en 2019, l'année d'avant. Donc, tu vois, c'est des dents de scie gigantesques. Le cash flow, lui, par action, intéressant, il est d'au moins 5% par an depuis 2015. Alors, pourquoi un tel delta? Peut-être qu'il y a des achats, des ventes interne à la société, je ne sais pas. Honnêtement, pour ceux qui veulent investir, il faudra regarder un petit peu parce que, comme je vous disais, le bénéfice par action, il est vraiment dans le si. Par contre, le cash flow est vraiment assez constant et prend au moins 5% depuis 2015. PER, on a à 37 pour 2019. Évidemment, société de paiement, hein, c'est un peu nouvelle économie, donc on n'est jamais donné. PEG, on est à moins 1 parce qu'on n'a pas eu de bénéfice l'année précédente. Sinon, il était de 0,4 en 2018, donc ça, c'était OK. On n'était pas en surchauffe, hein, tout du moins. Dividende, zéro. Et le chart sur un an, plus 22%. Bon, pour moi, ça reste, c'est une belle valeur pour Made in France qu'on peut profiter d'une big trend, hein, les paiements non physiques, les paiements électroniques. Le chiffre d'affaires, en général, ramené à la société, il est en hausse d'au moins 15% par an. Donc ça, c'est bien. On voit bien qu'on est sur une big trend quand même. On a une croissance à deux chiffres. Une dette un peu, bon, on est à, parce que c'est aussi un point que je n'avais pas forcément abordé les semaines qui précédentes. Et c'est quand même un point super important pour les investisseurs, hein, quand même, la dette à surveiller. On est à 1,6 fois l'EBIT. Donc ça va encore. On est dans un range qui est pas jusqu'à 4 fois les bits, on va dire. Pour moi, ça reste des cas d'investissement, mais c'est que mon avis D'accord, personnel, hein. Il y en a qui vont beaucoup plus loin, il y en a qui vont pour eux et disent, ouais, non, moi, dès que je dépasse une fois les bits ou 1,5 fois, c'est pas une valeur pour moi. Le ROCE, donc c'est le ROC, c'est le retour sur investissement. Lui, il a surveillé. Donc en 2017, on avait 12%. Ça, c'était pas mal. En 2019, on n'a que 9%. Ça veut dire que pour chaque euro que la société dépense en chiffre d'affaires, enfin, chaque euro dans le chiffre d'affaires, on en récupérait 12% en 2017 et en 2019, que 9%. Pourquoi? Ce serait aussi à étudier, je ne sais pas.
peut-être qu'il y a eu des achats, comme je disais, de sociétés, de concurrents, etc., qui font que bah, justement ce retour sur investissement est moins élevé cette année. À surveiller. Voilà. Bon, pour moi, une valeur, pas vraiment une valeur d'achat. Les marges, un cas d'investissement, même si c'est une société française, c'est un peu, je ne sais pas trop si c'est du lard ou du cochon, entre guillemets. Ça reste une belle Bon, valeur. déjà, toi, tu n'es pas fan des sociétés françaises, déjà, donc ça Non, n'arrange pas. ouais, mais non, mais justement, je veux pas. Il y en a beaucoup qui disent ça et ce n'est pas le cas. Mais je veux aussi prévenir les gens, tu vois ce que je veux dire? On a par exemple un chiffre d'affaires qui augmente de 15% par an. Ça, c'est propre. Mais tu as un retour sur investissement qui n'est pas si constant que ça, tu vois? Alors, il y a sûrement des raisons pour ça. Mais tu vois, c'est un truc où je me dis, bon, Ouais, voilà, je ça comprends, je reste une comprends. big trend. Mais les chiffres sont pas géniaux, quoi, c'est ce que je veux dire. Hein. C'est voilà. Alors, comme beaucoup de gens disent, oui, voilà, c'est du made in France, tu vas forcément le bâcher. Absolument pas. C'est pas ce que je veux dire. Je dirais aux investisseurs long terme, Toi, il faut que... Non, mais en regardez fait, les j'ai chiffres. compris, Lolo. Toi, il faut qu'il y ait Ouais. Inc. à côté. S'il n'y a pas Inc., t'es... Incorporated. S'il n'y a pas marqué Inc., Ça, il faut que ce soit à côté au Nasdaq surtout. tu ne prends pas. C'est vrai. Non, non, je plaisante. Non, mais voilà, donc c'est à regarder. Il y a Ouais. sûrement des bonnes raisons pour ça, mais voilà, les gens, regardez ces chiffres-là, parce qu'après, Ouais. on va peut-être aussi nous dire, oui, mais vous vous enflammez parce que c'est une big trend, vous ne regardez pas les fondamentaux. Si, je les ai regardés, justement, et il y a quelques, comme toutes les semaines d'ailleurs, et il y a quelques chiffres où je dis, les gens, regardez, faites attention. Voilà, j'ai fini. Tino, toi, qu'est-ce que tu en penses? Bah, écoute, bon, alors en semaine, on est bien sur une valeur haussière plutôt propre, c'est-à-dire qu'il y a des Oui, absolument. corrections qui sont au prorata des hausses. Donc, on n'a pas, c'est, pour moi, ce n'est pas un titre spéculatif du tout. Non, je pense pas non C'est un plus. Non, titre non. qui progresse normalement. Proprement, ouais. Donc, c'est ouais, proprement, c'est une belle valeur, on n'a pas douté. Alors là, Moyenne surprise, hein. ouais, ici, il y a un croisement, en effet, tu as raison. Bon, attention au croisement, parce que les croisements, souvent, ont du retard. Mais enfin, effectivement, il y a un Ouais, croisement. ok. De trouver des points d'entrée, il n'y en a pas 50 000. J'en ai trouvé un, peut-être deux. Ouais. Alors, il y en a un que j'avais identifié. Malheureusement, la bougie du jour, bon, nous a fait déjà perdre 2%, puisque Worldline a progressé de près de 2%. Effectivement, j'avais identifié cette zone-là où on avait des cours qui s'accumulaient et donc qui ne voulaient pas céder sous la pression, grosso modo, des 70 euros. Donc, cette zone-là, si on revenait peut-être le plus proche possible des 70 euros, on pourrait en effet mettre un stop loss au niveau en dessous, par exemple, de la moyenne mobile à 200 jours, qui nous ferait un stop dans les, alors non pas 5%, puisque du coup on espérerait 2% de moins, mais plutôt dans les 4%. Ouais. Hop, voilà. Je vais pas afficher le prix, je vais. Voilà, plutôt dans les 4%. Et après, la seconde zone qu'on pourrait éventuellement viser si Worldline repartait comme une fusée, ce serait le dernier plus haut, ici, la cassure, le breakout des 82, 83 euros. Ouais, sûr. Sinon, ouais, Sinon, si sinon, c'est le j'ai. genre de société, enfin, je veux dire, si elle repart à la hausse, tu la laisses courir. Je veux dire, en Ouais. soi, c'est un beau business. Oui, bien Tu vois ce que je veux sûr. dire? T'as Bien pas. sûr. Tu. Enfin, ouais. Par contre, si on vient à casser, à l'inverse, si on vient à casser la moyenne mobile à la baisse à Ouais. 200 jours, on pourrait retrouver peut-être une zone. Je ne l'ai pas identifié parce que ça me paraît bas, mais il y a plusieurs zones. Hein, il y a plusieurs zones. Il y a une zone qui est ici, qui peut venir faire soutien dans les 55 euros. Bon, voilà. Bon, on verra d'ici là. Ouais. On verra d'ici là. Ok. Très bien. Merci, Tino. De On rien. passe à Klépierre? Que Pierre. Ok. Alors, Klépierre, société française d'immobilier commercial, spécialisée dans les centres commerciaux, effectif 1 400 salariés, capitalisation boursière 4,5 milliards d'euros en juillet 2020 pour un chiffre d'affaires de 1,2 milliard d'euros. Résultat net négatif pour 2020, Covid oblige, n'est-ce pas? Pour un PER, lui, de moins 3,4 aussi pour 2020. Donc évidemment,
il fallait s'en douter, des dividendes, on est à zéro. Chartres, sur un an, moins 61%, sur 5 ans, moins 70%. Donc, voilà. Alors, bon, évidemment, c'est pour moi non plus, ce n'est pas un cas d'investissement. Pourquoi? Parce que c'est un secteur sans visibilité. OK, en ce moment, on a le corona, les centres commerciaux sont affectés et en pâtissent. Après le corona, est-ce que tout reviendra à la normale? Beaucoup disent oui, d'autres disent non. Peut-être qu'on aura une big trend de shopping en ligne et plus de centres commerciaux, que les malls vont être voués à disparaître, comme il y en a beaucoup aux États-Unis d'ailleurs. Est-ce qu'on suivra la même tendance? Je n'en sais rien. Personne ne le sait. Voilà. Donc, lui, ce qui ne me plaît pas non plus, c'est que même si on regarde un petit peu en arrière, depuis 2017, le chiffre d'affaires, lui, a stagné. Donc, ça, ce n'est pas non plus très bon pour une société. Et ce qui me fait le plus peur, c'est la dette énorme. On se rappelle, Worldline, on était à 1,6 fois l'EBIT. Pour moi, ça, je mets toujours ma limite à 4 fois. Hein. Là, on est à 9 fois. Donc là, sonnette d'alarme, on est très, très, très endetté. Donc voilà. Et le retour sur les capitaux propres, donc le ROE dont je parlais, où on avait pour Worldline entre 12 et 9%, là, on n'a que 7%. Donc ça reste faible. Évidemment, bon, je comprends, les chiffres d'affaires ont pâti ces derniers temps, mais cette valeur-là, entre 7 et 8%, ce n'est pas cette année, ce n'est pas que cette année, pardon, c'était aussi les années précédentes. Donc voilà. Pour moi, clairement, une valeur à éviter sur les fondamentaux. Ça ne reste évidemment que mon avis. Tino, toi, qu'est-ce que tu en penses au niveau des chartes? Alors, au niveau du Chartres, au niveau du Chartres, c'est un peu, bon, c'est baissier hein, depuis 2015. Donc, ça fait 5 ans que les investisseurs sur Klépierre perdent de l'argent. Donc, c'est baissier. Contrairement à ce qui se dit sur d'autres sites, on n'achète pas n'importe comment des valeurs qui baissent. On est toutefois sur une zone très importante. Alors, là, depuis, on a rebondi quand même un petit peu, mais enfin, il y a une zone très importante à tenir, tu vois. Il y avait eu un premier arrêt là, ici. C'est la zone des 10 euros. Voilà. Donc, clairement, tant qu'on tient la zone des 10 euros, on sauve les meubles. En dessous, par contre, attention, parce qu'on peut retourner, on peut très bien retourner dans la zone des 3 euros. C'est tout à fait possible. Il y a une zone intermédiaire à 7 euros, et puis après, ce sera 3 euros. Tant qu'on tient les 10 euros, ça peut aller. Maintenant, en intra, cela j'étais en mensuel, hein, bien sûr, je voulais prendre du recul sur la valeur. En daily, alors en daily, il y a beaucoup de gaps, tu vois, il y a énormément de gaps baissiers. Ce n'est pas jojo, ce n'est pas jojo, jojo. On a énormément de gaps baissiers. Donc on est ici, d'accord? On est gêné par beaucoup de choses. Déjà, on est en dessous des 3 moyennes mobiles, donc on est très baissier. Pour le moment, la moyenne mobile à 100 jours et la moyenne mobile à 50 jours nous bloquent pour pouvoir passer au-dessus. On a également une zone de résistance qui est à 13 euros, qui nous bloque et qui avait fait ici support, 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 qui a été cassé et là, désormais, on Ce l'a que j'ai dit testé sur la séance. violemment même, hein. Violemment, on l'a testé sur la séance de vendredi dernier et puis on a échoué. Et j'ajoute qu'il y a une oblique ici que j'ai tracée qui semble valable puisqu'on a plusieurs points de contact qui également vient agir. Donc tu te rends compte qu'on est poussé vers le bas par la moyenne mobile à 50 jours. On est poussé vers le bas par l'oblique ici en pointillé. Et on est poussé vers le bas par la résistance des 13 euros. Voilà, c'est très compliqué pour le moment. Alors, en effet, on a une zone ici qui semble pour le moment tenir la fameuse zone des 10 euros. Mais attention, il y avait eu un dernier plus bas au moment du Covid qu'on a cassé. Donc, cette fameuse zone des 13 euros. Donc, pour le moment, on est en tendance baissière. Il y a des rebonds techniques, OK, mais pour le moment, on est bien en tendance baissière. Donc, si je voulais rentrer sur Klépierre, je viserais peut-être éventuellement deux zones. Mais attention, je mets en garde, comme j'avais mis en garde, souviens-toi, sur les bancaires, lorsqu'on avait dit de rentrer, j'avais dit on peut rentrer, mais attention.
Et là, je redis la même chose. On peut rentrer sur Klépierre, mais attention, les deux zones à surveiller sont la zone des 10 euros avec un stop à 9,40 euros. Et éventuellement, donc, le dépassement de la zone des 13 euros qui pourrait être un signal positif, non pas sur une relance haussière, mais au moins sur la stabilisation dans un premier temps entre les 13 euros et le gap baissier du 7 juillet qui serait une zone entre 13 et 17 euros où on pourrait jouer là-dedans. Donc, en cas de dépassement des 13 euros, pourquoi pas rentrer sur Klépierre. Mais pour le moment, à part ces deux zones, c'est très dangereux. Stop obligatoire. Donc, pour ces deux zones, Absolument, ah oui, stop, je veux dire, c'est stop obligatoire. Alors, c'est des valeurs intéressantes hein, pour les traders. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de liquidités là aussi et qu'on peut jouer des mouvements. Donc, ça, c'est une chose. Mais si vous ne, franchement, si vous ne maîtrisiez pas l'analyse technique et que, Bah, passe à autre chose. voilà, et que Honnêtement, là, vous, on peut pas, on peut pas c'est en du dire. casino après. Hein. Ouais, ce que j'allais dire. C'est Là, du casino. Bon, on va voir la faut qu'on troisième préserve un heure, peu ça sera. aussi les gens quand même, hein. C'est là pour le coup, je suis assez d'accord avec toi. Ben, nous, on est là, je pense, en priorité pour ça. Donc là, clairement, il y a beaucoup de zones. Parce que même si on venait allez, à repasser tout ça, à repasser cette moyenne mobile à 50, même si on venait à dépasser la 100, il y a encore la 200 qui arrive là-haut. Il y a encore les gaps baissiers là, du 7 juillet et du 11 juin à passer. Et puis, comme tu l'as fort bien rappelé, je ne vois pas aujourd'hui, à part des rebonds techniques, qu'est-ce qui ferait Exactement, on n'a que pas de ça trigger, on n'a s'envole rien. vers le haut, quoi. Je veux bien, mais c'est très compliqué. On n'a pas On de est encore trigger, sur c'est des rebonds rien. techniques. Unibail, pareil. Ouais. Hein, Unibail, bon, c'est un petit peu Absolument. mieux, Unibail, mais il y a eu effectivement depuis une semaine, on a pris 14%. Donc les gens disent, ça y est, c'est reparti sur Unibail. Pour le moment, c'est un peu tôt quand même. Attention, il y a des rebonds techniques. Tu sais, Louis, il y a quelque chose qui est très important aussi à rappeler parce que souvent, les gens ne comprennent pas pourquoi les traders pros trade souvent les valeurs baissières. Et je vais expliquer pourquoi. Parce que trader à contre-tendance, les mouvements sont beaucoup plus violents. C'est-à-dire que quand tu es sur une tendance haussière, tu as le titre qui monte et c'est les corrections qui sont violentes. Et on repart sur une tendance haussière et les corrections sont violentes. À l'inverse, c'est pareil pour les tendances baissières. C'est-à-dire que un titre baisse tout doucement, tout doucement, tout doucement, et puis d'un coup, poum, il y a un rebond technique. Et c'est ces moments-là que les traders jouent. Mais attention, ça implique d'avoir une parfaite maîtrise du risque et une parfaite maîtrise de l'analyse technique. Et les Voilà. liquidités, évidemment, pas y aller all-in, hein, sur ce Et genre de alors, valeur-là. pas aller all-in, voilà, maîtriser le money management, aller sur des titres liquides. Tu sais qu'on insiste beaucoup et j'insiste beaucoup Absolument, là-dessus. Hein, et toi, tu as d'ailleurs rappelé sur le groupe qu'on ne faisait pas de post sur les titres illiquides. Donc, à Les penny nouveau, stocks, notamment. très important. Pardon? Les penny stocks, Les notamment. penny stocks, notamment. Donc, du coup, en effet, voilà, ça fait partie des raisons. Voilà. Et Tout si ça les est gens veulent compliqué. investir dans un titre illiquide à l'investissement, aussi toujours mettre une limite. Sinon, si d'un coup, il y a, je sais pas, un fonds de pension qui va investir avec des sommes qui dépassent j'imagine que Bien selon sûr. les membres de la communauté sont à dispo, tu vas avoir une augmentation d'un coup super violente. Et de Absolument. fait, tu vas à l'acheter parce que tu as passé l'ordre, mais sans limite. Après ces gens-là, et ça peut avoir pour incidence bah, que tu vas payer le prix, j'exagère, peut-être deux, trois fois de ce que tu voulais mettre. Voilà. Donc voilà, donc les valeurs liquides, honnêtement, c'est pour ça d'ailleurs qu'on les a bannis du groupe. Voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour. On passe à Ouais. Orange. OK. Allez, on va continuer. Une société magnifique. Il s'agit d'une société française de télécommunications, l'ex-France Télécom. Bon, qui a un effectif de 145 000 employés, donc une grosse société en termes de salariés. Capitalisation boursière de 25,3 milliards d'euros en 2019 pour un chiffre d'affaires de 42,2 milliards d'euros. Bénéfice par action, il augmente régulièrement. C'est assez étonnant d'ailleurs, j'étais assez surpris, entre 5 et 10% depuis les 5 dernières années, à l'exception de l'année 2019. Cash flow par action, il évolue de façon parallèle. Donc pour ça va. On a un PER de 12. Pour une entreprise de télécom normale, j'aurais tendance à dire, pour un PEG de 1. Donc on n'est pas en surchauffe, on est à un prix normal, enfin, que le marché juge normal. Dividende, elle doit être connue pour les chasseurs de dividendes, évidemment, 3,8%, soit 0,5 euros par action. Le chart sur un an, ben là, c'est nettement moins beau, moins 34%, et sur 5 ans, moins 30%. Voilà. Alors, pourquoi j'aime pas Orange? Pour plusieurs raisons. Déjà, Parce que le c'est chiffre français. d'affaires stagne depuis 2017. Donc, ça, bon,
jamais très beau. Hein. 2017, ouais. C'est quasiment il y a 4 ans, donc il stagne. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on a un chiffre d'affaires, donc comme tu disais, qui stagne. Mais lui, l'EBIT, pardon, donc c'est avant les impôts, donc toutes les charges, le chiffre d'affaires auquel on enlève les charges, lui, il baisse de 25%. C'est-à-dire qu'on a, je ne sais pas pourquoi, mais a priori, les charges sont toujours plus élevées. Donc ça, c'est jamais bon non plus pour une boîte. Non. T'as un chiffre d'affaires qui stagne, mais l'EBIT, lui, diminue. Donc voilà, est-ce qu'il s'agit d'une mauvaise gestion ? Je n'en sais absolument rien. C'est possible. Voilà, c'est possible ou ça ne l'est pas, je ne sais pas. La marge d'exploitation, donc le fameux ROE, lui, il baisse. On avait 14% en 2017, ce qui n'était pas trop mal pour une entreprise des télécoms. En 2019, on a 10%, donc on en perd encore. Donc ça vient vraisemblablement de l'EBIT qui lui baisse aussi. Donc on a une espèce de parallèle, entre guillemets, où on a nos résultats qui diminuent. Et donc, de fait, la marge d'exploitation diminue aussi en parallèle. Et je vais finir par aussi un autre point qui me dérange, mais ça, c'est bien connu pour tous ceux qui investissent dans les télécoms, c'est la dette. Ça, on est à 6,5 fois l'EBIT, donc au-dessus des 4 fois. Pour moi, aussi trop. Donc voilà, sur Orange. Donc pour moi, ça fait beaucoup de facteurs, même si on a des revenus réguliers, etc. Ça reste un mastodonte. L'État est aussi actionnaire. Donc voilà, pour moi, c'est un no-go aussi. Voilà, Orange, quoi. Ouais. Sinon, est-ce que le chart est mieux, plus intéressant? Alors, j'ai vu que sur d'autres groupes, certains disaient que Orange était une aubaine. Peut-être. Mais je n'en suis pas sûr. Non. Enfin, le gars, si on parle. Peut-être, mais je n'en suis vraiment pas sûr. Ouais, bon, on évoluait. On a acheté Orange en Warrant. Donc, ouais, ouais. Bref, on va passer. Ouais. Alors, donc, excuse-moi, sinon. On était dans de 2014 jusqu'à 2020, donc pendant 6 ans, on était en gros dans un range entre 13 et 15 euros. Donc, on a été finalement assez stable. Le titre s'est assez stabilisé dans cette zone-là, ça a duré un moment. Et puis, comme on en parlait tout à l'heure sur le CAC, quand il y a un long range comme ça, quand il y a une cassure, elle est violente. Et en effet, elle a été ultra violente. Alors, en daily, donc attention, hein, parce que là, juste, je termine en hebdo, je suis en hebdo. Hein. En hebdo, c'est pas fini. Enfin, c'est pas fini. Il y a encore une marge. Hein, il y a encore une marge d'escalier qu'on peut descendre. Hein. Je n'ai pas dit qu'on allait la descendre. J'ai dit qu'on peut encore la descendre. D'accord ? Absolument. La dernière marche, elle est à 7 euros. En daily, alors c'est intéressant parce que techniquement, c'est intéressant. Voilà. Voilà ce que donne Orange en daily. On a cassé le dernier plus bas. On est même allé casser le dernier plus bas d'avant Covid. Donc, il y a eu un rebond technique parce que, comme je viens de te l'expliquer, quand on est sur des tendances baissières, en effet, il y a des rebonds techniques. Donc, pour les traders, pourquoi pas? On peut tout faire, bien sûr. Ouais. Mais pour le moment, tant qu'on n'a pas… Alors, tu vois, j'ai dessiné en rouge là cette oblique baissière avec trois points de contact. Alors, on est également en dessous, tu vois, même aujourd'hui, on a eu un échec au niveau de la moyenne mobile. On est repassé en dessous de la moyenne mobile à 50. Donc, ça veut dire qu'on est en dessous encore des trois grosses moyennes mobiles. On est en dessous de l'oblique baissière. Ça ressemble un peu à Klépierre d'ailleurs. On est en dessous de l'oblique baissière. On est en dessous des trois moyennes mobiles. On n'arrive même pas à dépasser le dernier plus haut pour le moment, qui est à, on va dire, 10 euros. Ouais. Pour le moment, ça me fait quand même 3 voire 4 motifs pour ne pas aller encore sur Orange. Il est tout à fait possible qu'Orange, moi je ne prédis pas l'avenir, tu le sais, si Orange venait à casser les 10 euros, à dépasser la moyenne mobile à 50 puis à 100 jours, peut-être que ça pourrait redevenir intéressant. Mais pour le moment, c'est baissier. Donc, il y a des zones quand même qu'on peut identifier pour vous les rebonds techniques, pourquoi pas. Il y a cette zone en effet des 8,80 euros où on avait déjà rebondi, mais ce n'est pas sûr qu'on rebondisse encore. Il y a cette zone, donc là pour le coup, si on redevient haussier, donc en dépassement de la moyenne mobile à 50, 100 et 200 jours ici en jaune, donc je pense que ce sera au-delà des 10 euros, voire 10 euros, plus. Ou alors si ça craque,
On peut voir le rebond technique sur cette fameuse zone en dessous, là, le fameux escalier du dessous, à 7 euros. Mais à nouveau, comme Clépierre, j'alerte. C'est une valeur dangereuse, c'est une valeur baissière. Je ne sais pas ce que va faire Orange. Peut-être Orange va éclater à la hausse. C'est tout à fait possible. Mais en tout cas, si vous voulez rentrer sur Orange et que vous croyez en Orange, rentrez-y. Mais mettez-vous effectivement une zone, une perte maximale sur cette valeur. Parce que sinon, vous pouvez avoir de très mauvaises surprises. Ok. Merci Tino. Alors, de rien. On passe à Siemens. Alors Siemens est un groupe industriel allemand spécialisé dans l'énergie, la santé, l'industrie et le bâtiment. On va parler de la société mère parce que Siemens a mis, il y a Elsimir, c'est la branche santé qui est aussi cotée. Et depuis peu, depuis la semaine Énergie. dernière ou il y a 2 semaines, ouais, c'est ça exactement, il y a Siemens Energy qui est aussi cotée. Donc là, on parle du groupe de la maison mère qui est elle aussi Oui. cotée et qui détient des parts aussi des sociétés qu'on vient d'évoquer. Effectif 348 000 salariés, donc grosse entreprise, capitalisation 99 milliards d'euros en 2019, pour un chiffre d'affaires de 83 milliards d'euros. Bénéfice par action, il croît légèrement, on est entre 2 et 5% depuis 2015. Le cash flow par action, lui, est plus intéressant, on est au moins de 5% par an depuis 2015. Pour un PER, pas super élevé, on est à 18, pardon, et un PEG de 1,4. Pas non plus de surchauffe. Dividende 3,3%, soit 3,7 euros par action. Un chart sur un an, on est à plus 12%, et sur 5 ans, plus 31%. Alors, pour ceux qui sont dans le fondamental, attention, Siemens, c'est une entreprise cyclique. Il faut faire très, très attention. Donc, quand est-ce qu'il faut l'acheter? Quand la valeur est en dessous du PER moyen. Donc, à surveiller. Comme je l'avais évoqué, donc c'est un groupe industriel, donc il y a plusieurs entités. Certaines fonctionnent très bien, la santé, donc certaines fonctionnent beaucoup moins bien, comme l'énergie. Il faut faire attention. On achète, quand on achète la société Siemens, le paquet entier, c'est-à-dire en gros les filets qui sont dedans, mais ce qui marche moins bien et les aussi. Il faut faire attention. Mais bon. Siemens a quand même, à mon avis, plus de visibilité et mieux armé que General Electric aux États-Unis, qui était il y a encore quelques années son concurrent direct. La dette est aussi à surveiller. On est à 3 fois les EBIT. Donc là, on est aussi à la limite de presque un peu trop. Bon, sinon, dans un portefeuille équilibré, ça peut être une belle valeur de fonds de portefeuille. Voilà, pour ceux qui sont long-termistes, ceux qui sont long-termistes peuvent éventuellement l'acheter. Donc voilà, comme je disais, attention par contre avant d'acheter, si vous voulez faire une bonne affaire, toujours acheter en dessous du PER moyen. C'est une cyclique. Voilà, je le répète. Donc mon avis, je suis pas investisseur parce que je profitais d'un peu plus de dynamique et Siemens, bah oui, hein, ça en offre tout du moins en ce moment pas trop. Voilà ce que j'ai à dire sur Siemens. Mais sinon, belle valeur industrielle quand même. Hein. On n'en a pas beaucoup en Europe des aussi belles. Voilà. Tino, qu'est-ce que tu en penses? Alors, écoute, moi j'ai ouvert une position sur Siemens justement ce matin, une petite position. Oui. Dans un peu le cas de figure que tu exposes, d'ailleurs en parlant de ça, tiens, en parlant de valeur allemande, j'ai ouvert une position sur Adidas aussi ce matin. Ah, ok. À Ça, c'est l'ouverture. beau Ouais, aussi. Adidas, je c'est le bien. dis parce Adidas. qu'on en a parlé les semaines précédentes et ça faisait un Ouais. moment, tu te souviens, la trendline qu'on surveillait. Bon, Ouais, 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 donc, ouais. du coup, voilà, il y a eu un appui sur la trendline, je suis rentré. Bref. Donc, en effet, c'est comme tu l'as très bien rappelé, je voulais une valeur avec un petit peu moins de volatilité parce que j'en ai beaucoup de la volatilité dans mon portefeuille et voilà, je voulais un truc qui venait un peu en Un peu plus compensation sur calme. un secteur. Ouais, un peu plus calme sur un truc, un secteur différent, etc. Alors, j'attendais un moment qui pouvait être un point d'entrée plus ou moins intéressant. Alors, déjà, effectivement, sur du long terme, un mois, on est quand même avec des grosses variations, hein, mais on est quand même sur une valeur haussière. Preuve en est, c'est qu'on a bien les trois moyennes mobiles qui sont haussières et qui sont parfaitement alignées, hein, c'est-à-dire que la moyenne mobile courte est au-dessus de la moyenne qui est au-dessus de la longue. Alors, un jour, c'est intéressant, Lolo, parce qu'un jour, j'avais identifié
Hop là, voilà. J'avais identifié cette petite trendline Ouais. qui a tenu Ouais. avec 1, 2, 3 et au quatrième point de contact qui était sur la séance de jeudi soir. J'avais repéré ce Ouais. quatrième, je vais zoomer, j'avais repéré ce quatrième, tu vois ici, point de contact avec la mèche basse. Ouais. Et donc je me suis dit, bon, tiens, c'est peut-être une occasion de rentrer avec un stop qui se situerait. Pour moi, comme c'est une valeur moyen terme, je n'ai pas un stop agressif, quitte à pouvoir Ouais. même peut-être renforcer s'il y a une petite chute, sous la Ouais. moyenne mobile à 200 jours. Donc ça fait un D'accord. stop, non pas à 8%, parce que la séance du jour est passée et on a fait Ouais. 1,5, mais ce serait un stop plutôt à 7% en gros. Voilà, quitte à renforcer si on vient dans la zone des 100 euros, 105 euros, faire un versement complémentaire, mais toujours en gardant le stop au même endroit, hein, bien sûr. D'accord. Voilà, donc ben, si vous voulez rentrer sur Siemens, plusieurs possibilités, hein, soit vous achetez le long de la trendline, comme moi j'ai fait, Ouais. d'accord, Ouais. le long de la trend ici, soit ben, vous attendez la cassure. Ici, du dernier plus haut, qui pourrait correspondre également avec la cassure des deux moyennes mobiles à 50 et 100 jours et la cassure de cette petite oblique qui n'est pas forcément valable parce que j'ai que deux points de soutien, mais en fait, c'était plus pour avoir un repère technique. Ouais. Et donc, le dépassement, tu vois, ici, dans cette zone-là, qui pourrait être intéressant, mon loulou. D'accord. OK. Merci, Voilà. Tino. De rien. Bon, on passe outre-Atlantique. PepsiCo. Ah oui. Alors, PepsiCo, tout le monde connaît. Enfin, tout du moins, tout le monde connaît le Pepsi. C'est une multinationale américaine dans le secteur de l'agroalimentaire. Donc, nous, ça nous tenait à cœur aussi d'en parler pour que vous la compariez avec Danone, dont on a parlé la semaine dernière. Donc ça, les gens pourront faire un parallèle. Un effectif de 267 000 salariés, donc grosse société également. Capitalisation boursière 187 milliards de dollars, donc aussi un mastodonte, pour un chiffre d'affaires de 65 milliards de dollars. Alors les marques, tout le monde les connaît, enfin beaucoup les connaissent, c'est Pepsi évidemment, hein. On a Lipton Ice Tea, on a les chips Lay's, entre autres. Donc c'est un peu, on est un peu aux antipodes de Danone qui fait enfin dans les aliments plutôt bons pour la santé, eux, ils font plutôt dans la junk food. Voilà, mais bon, ça leur réussit. Cash flow par action, on est entre plus 5 et 7% par an. Bénéfice par action, ditto. Donc, ils suivent la même tendance. Donc, ça, c'est bien. On n'a pas vraiment d'argent qui part dans des conduits qu'on ne sait pas trop, qui sont difficiles à analyser. Donc, ça me plaît. On a un PER assez élevé. 2018-26, pour un PEG de 2,3. Donc, on est vraiment au-dessus des 1, ça c'est clair, et des 2 même. Donc, attention, pour les chasseurs de dividendes, la société doit être aussi connue ou ne l'aurait pas inconnue. On est à 2,8%, soit 3,20 euros. Charte sur un an, moins 2%, on a eu le Covid, même si ce n'est pas un cyclique. Tout le monde a morflé, entre guillemets. Sur 5 ans, plus 40%. Voilà. Donc voilà, donc comme je disais, pour moi, à mon avis, c'est une belle valeur non cyclique. On est aux antipodes de Siemens dont on venait de parler. On a affaire à un dividende aristocrate. Alors, voilà, quand on parle de société de qualité, quand on parle de Orange qui verse une dividende, machin, bidule, ok, je l'entends. Mais là, on a une société qui, depuis 46 ans, je répète, 46 ans, verse une dividende et l'augmente chaque année, depuis 46 ans. Donc voilà. Donc c'est vraiment hallucinant. Ça prouve quand même que c'est une société qui est très très bien gérée. Pour ceux qui veulent rentrer, alors l'action cote grosso modo comme il y a un an. Alors oui, comme je disais, il y a le Covid. Même si à mes yeux, elle a été injustement non, elle a été punie. Voilà, c'est un fait. Mais malgré tout, on est dans un non cyclique. C'est-à-dire en gros, les gens achèteront toujours des chips, boiront du Pepsi. Donc, ça reste à mes yeux, même si à l'avenir, une valeur qui peut aussi profiter d'une big trend, c'est-à-dire le fait de rester à la maison. Elle n'est pas impactée, les gens continueront d'acheter ces produits-là. Voilà. La dette, elle aussi, elle a un peu, on a 2,6 fois le EBIT. Elle est, pour moi, à mes yeux, ça reste encore OK, mais elle a tendance à augmenter tous les ans. Donc, ça aussi, c'est à surveiller. Retour sur investissement. Alors,
Attends, on est à peu près. Alors là, par contre, je n'ai pas, insisté longtemps, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Pepsi, par exemple, leurs bouteilles, ils les remplissent de cola, ils les remplissent pas eux-mêmes. Non, pardon, ils les remplissent eux-mêmes, justement. Donc, ce qui fait que leur retour sur investissement, on pâtisse. Mais on reste quand même à 50%. Donc, pour de l'agroalimentaire, c'est super haut. Si vous voulez comparer à Danone, on n'a que 15% chez Danone. Donc, en gros, la société, pour chaque euro qui est dépensé, elle l'utilise de façon beaucoup plus rentable, trois fois mieux, entre guillemets, que Danone. Donc, voilà. C'est mon avis sur Pepsi. Si vous voulez rentrer, pourquoi pas? Parce que la société cote, comme je disais il y a un an. Donc, voilà, on a passé un an pour rien, entre guillemets, sur le marché boursier. Ce serait peut-être l'occasion, pour les long-termistes de mettre un pied dans la porte. Donc, voilà. Quand même faire attention à certains points, notamment la dette. Voilà, donc j'ai essayé de faire ça très court. Pour ceux qui veulent avoir plus de détails sur Pepsi, n'hésitez pas à m'écrire sur le mail de la boîte. J'ai des graphiques, justement, sur lesquels je peux ou je pourrais encore développer un peu plus l'analyse que j'ai livrée. Voilà. Tino, qu'est-ce que tu en penses, toi, de Pepsi? Alors, on est sur un élément qu'on a eu l'occasion de rencontrer dans les émissions précédentes et sur lequel on a plusieurs fois rappelé la caractéristique, c'est l'élément de méga-trend. Et en effet, on s'aperçoit qu'en hebdomadaire, je suis en hebdomadaire, nous avons une forme, tu te rappelles, comme d'habitude, Le conique. cône vers le haut. Le cône, voilà, le cône qui est expansif. Voilà, donc c'est bien la preuve qu'on est sur une valeur très haussière et on est bien sur une méga trend. Alors, en daily, on a une valeur qui était dans un range de prix situé entre 130, ouais, allez. Ouais, 129 dollars et on va dire 140 dollars. D'accord? Entre 130 et 140, grosso modo, pour faire des prix ronds. On l'a cassé ici le 1er septembre, ça n'a pas tenu, on a réintégré. Souvent, quand on réintègre, on va chercher le bas, on l'a fait. Voilà, il y a eu encore un nouveau faux départ, puis là, ça y est, visiblement, ça a l'air de tenir, mais c'est pas forcément très, très propre. C'est difficile de rentrer en une fois sur Pepsi, en effet. Ouais, je pense J'ai aussi, ouais. identifié trois zones potentielles. Ce n'est pas le plus propre hein, pour rentrer, mais alors il y a soit, en effet, le bas de cet ancien range de prix, hein, donc la zone des 130, soit peut-être le retour, s'il est validé. Donc, le pullback sur la cassure de ce range qui avait été quand même raté deux fois. Hein, donc, peut-être que la troisième fois, ce sera la bonne. Ce sera la bonne, ouais. À 139 dollars. Ou alors, pour ceux qui veulent avoir pour le coup vraiment beaucoup plus de certitude, j'attendrai la zone des 147 dollars. Donc, le dépassement, le breakout du dernier plus haut avant Covid. Voilà. D'accord. Donc, bon, voilà, après, c'est à vous de définir la stratégie. Le stop d'invalidation se situe sous la zone de prix, donc sous les 100, au niveau des 125 dollars, car si on venait à retomber en dessous des 125 dollars, en effet, on pourrait très bien retourner sur le bas de la trendline qui correspondrait, et là, ce serait vraiment intéressant pour le coup, qui correspondrait à la trendline long terme, donc ici. Tu vois, qui correspondrait là du coup à 100, 110, 115 dollars. Mais il Dollars, ouais, je faudrait d'accord. pour cela qu'il y ait des événements quand même très surprenants pour qu'on arrive, pour qu'on arrive ici. Mais bon, ne prédis pas l'avenir, encore une fois, tout est possible. D'accord. Très Voilà, bien, Laurent. merci Tino. Tino, on voulait non, encore parler du dollar et du bitcoin. Donc, Ouais. je te laisse la parole. Ouais, alors alors on fait un rappel, on a décidé ensemble de faire un suivi mensuel sur le gold et le Bitcoin parce qu'on sait qu'il y a des amateurs. Alors, le gold, la dernière fois qu'on avait fait l'analyse, j'avais indiqué qu'on était rentré sur une zone court terme baissière. Malgré qu'on soit toujours sur de long terme aussi. D'ailleurs, on a un canal qui nous tient, hein, le canal bleu. Donc pour le moment, tout va bien.
Sur du long terme, tout va bien. En revanche, sur du court terme, on est toujours gêné par cette oblique ici Ouais, baissière. ouais, ouais. Donc, on a des zones de soutien. On a une première zone qui peut tenir, qui est la zone des 1850 $, hein, je suis en dollars. On Ouais. a une deuxième zone où il y aura des acheteurs inévitablement, qui est la zone ici des 1800 $. Ouais. Et enfin, la dernière zone qui, pour moi, si elle était cassée, pourrait être un très mauvais signal sur l'or, c'est la zone des 1700 $. En dessous, D'accord. tu vois, j'ai mis un stop ici à 1641. En Ouais. dessous des 1700 $, je serai vendeur. Je serai vendeur, hein, D'accord. sur Donc, attention quand même, tout est possible. Un retournement de tendance est possible, même si ce n'est pas du tout mon scénario privilégié. Bon, mon scénario privilégié, c'est qu'on vient s'appuyer soit sur les 1850, soit un petit peu plus bas sur la moyenne mobile, les Ouais. 1800, et qu'on vienne ensuite revenir au combat de l'oblique, qu'on vienne la classer, qu'on vienne s'y appuyer sur la cassure et qu'on Ouais. reparte ensuite À la hausse. éventuellement. C'est une projection, hein. Qu'on Ouais. reparte ensuite sur une nouvelle tendance haussière de court terme. Voilà, on D'accord. verra, nous verrons, nous verrons. Très bien. On Et le passe au Bitcoin. Bitcoin Ouais. en dollars. Alors, le Bitcoin, on avait indiqué, voilà, on avait indiqué lors de notre on l'avait fait deux fois. Une fois, quand il y avait eu un retour ici aux alentours des 10 000, Ouais. j'avais indiqué que c'était un pullback et qu'il fallait conserver. Depuis, on est reparti. Voilà. Donc, je suis toujours positif sur le Bitcoin, que ce soit à court, long et moyen terme. Ouais. Visiblement, on a une zone là qui tient. Je pense qu'on va repartir au combat de la zone des 12 000 $. Qu'on Ouais. risque certainement d'échouer une fois de plus sur cette zone-là, mais Ouais. sans grandes conséquences. Hein. C'est-à-dire que mon scénario, c'est certainement, pardon, certainement qu'on vienne au combat de cette zone-là, Ouais. qu'on vienne refluer un petit peu et qu'enfin, on soit porté par la tendance de moyen-long terme pour aller repartir sur une tendance haussière. Voilà. Donc, il va falloir surveiller. Ce n'est pas le moment, hein, de rentrer sur le Bitcoin si vous n'en OK. avez pas. Il vaut Ouais. mieux attendre. J'attendrai donc soit un retour dans la zone des 10 000, toujours, hein, Ouais, 10 000, ouais, voire ouais, ouais, ouais. 11 000, soit en cas de dépassement, s'il y avait cassure des Ouais. 12 000 $. D'accord. Voilà. 12 000 OK. dollars, plutôt, non, je suis un peu faible, plutôt des 12 500 $. OK. Voilà. Très bien. C'est là qu'il va y avoir une zone de vente. Hein. Cette zone 12 000-12 500, là, le Bitcoin va se faire mitrailler, hein, clairement. Alors, est-ce qu'il va passer? Peut-être. Et dans ce cas-là, s'il passe, attention, ça va accélérer très fort. Mais dans cette zone-là, il va y avoir des vendeurs, c'est évident. D'accord. Très bien. Merci, Tino. On finit par Apple. Ça, c'est marrant parce que je regarde sur le chat qu'on a. Il y a Mathieu qui nous écrit: est-ce que vous croyez que Xiaomi va devenir le futur Apple? Donc, je ne sais pas. On verra. Je n'y crois pas vraiment, mais voilà. Donc, Apple, non, juste comme ça, deux mots, parce qu'il y a la keynote cette semaine. Donc, c'était intéressant au niveau voir lundi soir, les investisseurs étaient plutôt à la vente d'Apple. Donc, l'action a perdu 2,5 ou 3%, je crois. Donc ça, c'était le lundi, non, le mardi, pardon, quand ils ont fait leur keynote. Donc ça, c'était à 22h30, fermeture de la bourse américaine. Le lendemain, elle est repartie à la hausse, comme on connaît souvent chez Apple d'ailleurs. S'il y en a qui vendent, il y a toujours des acheteurs. Enfin, tout du moins, c'est comme ça pour l'instant. Donc voilà, c'était assez une semaine, comme d'habitude, mouvementée, mais pour ceux qui sont long-termistes sur Apple, comme moi, voilà, une semaine. Malgré la keynote, qui n'a pas propulsé l'action, ni vers le haut, ni vers le bas. Voilà, c'était juste les deux petits mots pour recoller à l'actualité d'Apple. Voilà, Sur tu as Apple, il quelque y a chose à toujours dire, une Tino, sur Apple? trendline. Ben, sur Apple, juste voilà, pour compléter, on l'avait déjà analysé, donc je ne vais pas revenir dessus. On a toujours cette trendline qui tient. Voilà, donc la zone maintenant pour acheter du Apple se situerait davantage vers les 110, 115 dollars. Dollar, ouais. Voilà, on risque de bloquer. Alors, je ne sais pas ce qu'elle a fait, je n'ai pas la bougie du jour, mais voilà, je pense qu'on est dans un triangle de. Je pense qu'on est peut-être dans un triangle de consolidation Ouais. où on sera très certainement
statistiquement propulsé encore une fois vers le haut, d'autant que bon, ben, on connaît la valeur. Hein, voilà. Donc voilà, sur Apple, c'est à peu près tout ce que je voulais dire. D'accord. Bon, bah, très bien. Merci Tino, hein. Merci à De toi rien, j'ai juste, pour ton temps Lolo, cette si tu semaine. me permets, parce que Ouais. hier, je voulais juste dire quelque chose d'intéressant, parce que hier, suite à la séance d'hier qui a été fortement baissière, il y a beaucoup de Ouais. gens qui sont sortis hier, qui ont eu un petit peu peur, et c'est Ouais. légitime. Ouais. Et ce que je veux dire, c'est que finalement, avec la semaine mouvementée qu'on a eue, le Ouais. CAC, cette semaine, il a fait moins 0,25%. C'est rien. Donc, ce que je veux te dire, Lolo, c'est que par là, c'est que essayez d'éviter de vous faire balader par le marché. Parce qu'il y en a qui ont vendu hier. Ce matin, ils ont pris un gap haussier dans la tête. Ils sont rentrés ce matin et je ne sais pas si lundi, on va pas ouvrir un gap baissier. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que c'est très difficile aujourd'hui de suivre le marché parce qu'il est volatile, mais malgré tout, il fait du surplace. Il a une volatilité dans du surplace. Donc, quel est le moyen, quel pourrait être le moyen de ne pas se faire balader? Déjà, premièrement, c'est quand vous rentrez sur une valeur, de définir un stop, donc, ou une perte maximale, même un stop mental, hein, peu importe, une perte maximale et un objectif, un premier objectif. Pas de vente, mais un objectif numéro un, ou peut-être il y aurait une prise partielle de bénéfice, quitte à laisser le titre continuer. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est il suffit de prendre du recul sur le graphique. Au lieu de regarder vos graphiques en jour, prenez un petit peu de recul et regardez-les en semaine. Et vous allez vous apercevoir qu'en semaine, le CAC, d'accord? Finalement, quand on l'étudie en semaine, et on s'aperçoit que finalement, le CAC, il ne bouge pas trop, quoi. Absolument. Voilà, donc essayez si vous voulez rentrer d'acheter en bas, c'est-à-dire dans les 4007, et de vendre éventuellement en haut ou de vous alléger éventuellement en haut. Voilà. Mais tenez-vous à ce plan-là. C'est ça que je voulais dire, parce que enlevez le bruit un maximum de vos graphiques, ça vous Exactement, ouais, évitera de vous complètement d'accord faire avec toi. balader et d'avoir moins peur. Et Ouais, 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 ouais. surtout, suivez vos plans, tenez vos plans, que ce soit pour les pertes, d'accord, et que ce soit pour les objectifs aussi de gain. Suivez vos plans. Ou alors, comme on l'avait dit hier sur le forum, notre tactique est, bon, qui est, ma foi, pas tellement, pas terrible, terrible. Acheter le plus haut et vendre le plus bas. Indice de référence, l'indice nord-coréen. Voilà, c'était pour la petite blague. Ouais, parce que j'ai alors tu as envoyé tes performances, Laurent, ou pas? Alors, parce que du coup, Comment? moi j'ai envoyé mes performances quand même, parce que on nous a demandé nos performances, donc du coup. Bah, là, depuis l'après-Covid, je suis à moins 40, donc ça va, je tiens mes objectifs. Ah, ben c'est plutôt bien! Non, mais c'est une technique pour avoir moins d'impôts au niveau des plus-values hein, aussi. Hein. C'est tout ça, Là, du coup, ouais, je m'en sors bien. voilà, tout ça, c'est tactique. Tout ça est calculé d'avance. Exactement. Punaise. Sinon, Merci, mon punaise, Lolo. merci pour ton temps. C'était une belle Salut. émission. J'espère. Les gens, s'il vous plaît, pouce vers le haut comme ça. Abonnez-vous. Et Partagez, voilà. parlez du groupe, Partagez, faites ouais. profiter de tout ça un maximum de monde. C'est gratuit, on fait ça. On rigole Ouais. parce qu'on dit qu'on se fait payer un like, mais c'est gratuit, C'est exactement ça en on fait plus. ça bénévolement. Et la seule manière de faire en sorte qu'on continue, c'est de faire ce que vous faites, Ouais. c'est de liker, de partager et Exactement, c'est d'abonner ce un qui nous maximum de motive. monde parce que ça nous encourage. Ouais. Très bien. Voilà. Merci à tous. Bonne fin de journée, bonne soirée. Selon Salut le moment où Lou. vous nous regardez. Allez, ciao, ciao Tino, à la prochaine. Ciao, à plus. Ciao. Ciao.